Ok, ça y est, ça arrive. Wouh! Alors attendez, on va pas bouger. Charge. C'est overclocked? Ah non, je suis pas du tout overclocked. Le jeu terrible est incroyable. Overcooked, tu parles du jeu, Popliette, ou... Alors attends, on en était où? Ouais, on en était juste là. Ok, très bien. Ok, d'accord. Donc ça, j'ai juste à le relier. Juste à relier comme ça. Hop. Toi, tu viens au bout. Donc là, il faudrait que je mette la chute de 1, 2. On va le mettre comme ça. Et on va te raccorder toi de là-bas, là-bas. Ok. Ok, ça c'est fait. Ça on supprime. Maintenant, la sortie pour que ça commence à monter. Alors l'alignement. Ah ouais, j'avais tout ça à refaire. Hein. Oh là 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 là. Ça devait remonter jusque là. Je remonte de deux crans. 1, 2. Ok. Pareil pour celui-là. Je me mets en face de l'autre et je remonte de deux crans. 1, 2. Salut KGR Gamer, bonjour à toi, comment vas-tu? Les développeurs, si t'es un des développeurs de Satis, attends-toi à ce que je te lynche. On a marre d'un jeu qui rame. Enfin, qui rame pas, c'est le moteur graphique qui est... Améliorer le moteur graphique, je vous en supplie, quoi. Hop. Tac, si. Toi, tu repars là. Toi, tu repars là et let's go. Ok, ça c'est bon, c'était réglé, il n'y avait pas de souci. Là, ici, il fallait que j'aille chercher mon plastique pour l'emmener en haut. Donc, je me rappelle bien, normalement, la sortie, elle passait là. Ici, je monte comme ça, à cette hauteur-là. Tac, on est bon. On se relie là, comme ça. Très bien. On va de l'autre côté, on va tirer nos câbles. Et salut, Guy Bourges. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Du coup, ma sortie, elle est là. Et pareil dans l'autre côté. C'est bon, très bien, on descend là. On vient, on met tout ça. Hop. Alors attends, déjà on va descendre ça, comme ça j'aurai l'alignement possible. Hop, parfait. Ok, très bien. Ici dans ce sens là on est mieux. Ok, je sais pas par rapport à quoi t'as voulu t'aligner. Trouve des alignements qui n'existent pas. Ok, très bien. Et puis à ça près. Ici. Hop. On l'enlève, on le remet dans l'autre sens. Hop. Tac, on monte d'un cran. Hop. Et là, on descend ici. Hop. On va au fond. Au fond, on va tourner. Ah, t'es Dev the Boss, mais t'as rename. C'est pas développeur. Autant pour moi.
Quand ça se fait que t'as rename. Pour faire de la pub pour la boîte où tu bosses. Et... Hop. Hop. Alors on va déjà tirer ça de là-bas. On va le ramener ici. Deux. Hop. Tac. Ok, nickel. Toi t'étais pas encore utilisé puisque t'étais pour la ligne d'après que j'avais commencé à faire avant que ça crache. Hop. Et ici. Là-bas. Putain, mais même quand j'essaie de relier maintenant électriquement, j'ai des lags quoi. C'est tellement horrible. J'ai juste envie de mourir quoi. Il faut que je reprenne, oui, du béton. Du béton, il n'y avait pas les plaques de fer aussi, l'histoire des plaques de fer? Non, ça allait. Oui. On souffre. Hop. Attends, j'en ai là, 4000. Je vais reposer un peu quelques plaques de fer, j'en ai trop sur moi. Non, je vais reposer ça, du MK2 là. Du MK5, pardon. Hop. Juste envie de check, tiens, vite fait, à savoir combien je tourne en courant, là. On consomme, hein. 86 000, c'est pas mal. J'ai hâte d'arriver aux 100 000 de consommation. Juste pour l'achievement perso, on va dire. Y'a rien à gagner, mais ça me fait plaisir de me dire, putain, je bouffe 100 000, quoi. Hop. Tac, ici. Ici. Et là-bas. Tac. Un. Deux. 3. 1. 2. Bon, juste celui-là ici comme ça et juste celui-là ici comme ça. Ok. Voilà. Ici. Un, deux. 1, 2. Ah, il manque des câbles. Hein. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'en ai dans un stockage juste là. Normalement, c'est ici. Donc, 1, 2, hop, ici. Et là. Alors, hop, un petit ban à faire. Ils sont en colère, les bottes, là. Hop, voilà. Il y a beaucoup en ce moment. Ouais, c'est l'été, il fait beau, les bottes sont de sortie. J'aurais plus cru que c'était, bien sûr, par temps de pluie. Non, je plaisante. Mon Dieu, cette vanne, j'ai honte. Hop. Okay. Non, c'est super ordinateur, ça. Ouais, c'est super ordinateur. Super ordinateur. Juste pour regarder là, les unités de contrôle, il me faut quoi? Des ordinateurs, des caisses. Et il me faudra encore des cristaux. Ok, il va falloir que je rajoute des prods d'ordinateur. J'en aurai pas assez. Il va falloir que je trouve du plastique.
Alors je crois que je peux. Je crois que j'utilise pas tout le plastique qui arrive pour les ordinateurs. Tac. Et là. Ok, bon déjà ça c'est pas mal. Alors, les câbles électriques. Crois que de mémoire, je dois arriver au milieu moins 1. Ouais, c'est à peu près ça. Je dois. Tac. Il y a là-bas. Hop. Tac, ça c'est fait. Alors, pour voir à peu près où je dois être. Ça va être par là au milieu moins 1, c'est ça? Est-ce que c'est là? Il l'a! Impeccable ça. Tac. Et là on est bon. Très bien. On se recale de là à là-bas. Ok, tout est bien alimenté, pas de soucis, c'est bon. Allez. On a presque rattrapé jusqu'où on en était au moment où ça a planté. Donc c'est ici, hein, que je me trompe pas. Que je le mette pas au mauvais endroit encore une fois. Mais non, non, ça m'a l'air d'être bon là. 2, 3, 4. Tac, 1. 2. 3, 4. Ok, aligné ici. 1, 2, 3 et 4. Alors, le prochain doit arriver dans ce sens-là. Donc, l'autre arrive de l'arrière. Et le dernier arrive aussi de l'arrière. Ok. Et let's go. Ok, et donc tout était à relier en MK1. Tout était à relier en MK1, ce qui était beaucoup plus rapide et facile à faire. Il va falloir que j'aille rechercher. Allez, on va en prendre juste en bas. Ça va, c'est pas loin. C'est pas loin. Et hop là! C'est câble. Donc ici, on en a plus, on en a là-bas. Hop, parfait. Pourquoi la première est jaune? La première est jaune. Pas vraiment de raison. Ah, c'est parce que c'est plein. Ah là, c'est pas connecté. Ok, c'est pas connecté. Forcément, ça marchera moins bien. Bah là, j'en ai 100 sur moi, c'est bon. Ça a dû me faire une caisse quelque part là, non? Même pas.
Ah, ça avait bien bloqué dessus, hein. Et après, c'est reparti. Trop chelou comme bug. Ah, mais attends, je suis en MK5, là. Ah, attends. Hop, MK1. Voilà. Voilà, là, on est d'accord. Et là, ça circule, et là, ça va au bout. Ok, très bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres qui en attente là. Alors ici, j'en ai une qui est en attente. Qu'est-ce que t'as, toi, comme problème? Non, c'est juste le temps que le fil actif arrive. Ok. Donc, c'était pas un problème, tout va bien. Bonsoir, Dragon X Predator, comment tu vas? Est-ce que ça va, poteau? Est-ce que t'as passé une bonne journée? On est bien, on redescend. On redescend là, là ici. Et là ici. Comme ça. Ok, très bien. Et hop. Ok. Donc, ça va, merci. Ok, c'est cool. Si tu vas alors. Je vais aussi. Donc là, j'arrive en quelle vitesse? Là, j'arrive en MK4. Et donc, c'est celui de gauche qui fait 4, 3, 2. Ok, celui de gauche, il fait 4, 3 et 2. Ok, celui du dessus, il fait MK1 partout. Et il fallait que je me mette mon support qui était ici. MK1. Mais attends, si je suis en MK. MK1 quand même partout là. MK1, même quand ça arrive en. Ok, d'accord. Même quand ça arrive comme ça. Très bien. Alors. Ici, il va falloir que je descende et que je raccorde mon plastoc. Donc mon plastique... On avait dit que c'était du MK4. Hein. Tac. Et il va passer bah, devant. Hein. Pas vraiment le choix. Par contre, il va falloir que je le tourne par là pour pouvoir passer en dessous. C'est ça. Que je me rappelle bien. Et là, ici... Il descendait vraiment à côté de ce truc-là. Attends. Je me plante pas. Le MK4, il redescendait presque à côté de l'autre, comme ça. Ah, utiliser celui des... D'accord. On part sur le même support. On part sur le même support. 1, 2... Alors, j'étais pris sur celui du haut, celui du bas. J'ai pris sur celui du haut. Tac, ok. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça, c'est bon. Ensuite, on remonte directement. Okay, on est à la même hauteur. 1, 2, 3, 4, ici. Ok, comme ça, tu vas aller me remplir. Tu vas me remplir toutes les machines, là, déjà, en plastoc. Ça va faire du bien. Donc, ensuite, c'était les fils actifs, les contrôleurs d'IA, pardon. Contrôleurs d'IA. Et donc, toi, tu descendais, tu venais te connecter au dernier qui est là-bas. Ok, alors, toi, tu descends ici. Hop, tu descends au même endroit, mais juste au-dessus. 1, 2. Ok. Et comment j'avais décidé de monter de l'autre côté? Ok, pareil, je me mets en face et je suis monté de celui du haut. Ok. Hop, là, ici, comme ça, je décolle. 1, 2. 1, 2.
Ok. Sneak comme ça. Hop. Un, deux. Ok, je crois que je suis à la même hauteur. Je suis à la même hauteur, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à me faire arriver les fils actifs ici. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est qu'ici, à cette intersection-là, je vais couper. Et je vais couper et ça m'évitera de tirer depuis là-bas. Et on va mettre un séparateur ici, si je peux. Normalement, je peux. Je dois pouvoir en caser un dedans. Là. Ouais, c'est bon. Un répartiteur. Ok. Parce que vu le nombre qu'on en a besoin, on n'a pas besoin d'avoir plus. Au niveau des arrivées à gérer. Ok. Alors toi, je te ramène là. De là, on va tourner. 1, 2. Et on va passer derrière ceux qui sont ici. Salut, Noble Campbell. Bienvenue à toi. Je peux même en rajouter. Alors attends. Hop. Je peux descendre comme ça. Allez, remonte un peu là, que je vois un peu ce que je fais. Ah, ça m'embête que ça glitch un peu dedans comme ça là. Ça m'embête un peu. Ok. On va se rajouter juste une ligne comme ça. On va faire arriver ça sur le côté, ce sera plus simple. Le rendu sera plus propre à la fin quand on mettra des lumières. Ok, ça c'est bon. Alors attends, par contre, toi, pourquoi t'es rentré dedans là? On va remettre mieux le support. Celui-là ça va, mais c'est celui-là, il est à moitié glitché dedans là. Ça me plaît pas. Qui est là. Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux. Donc du coup, celui qui est là, on va pouvoir le virer. Puisqu'on passe un peu plus loin. Hop. Toi, je te ramène là. 1, 2, 1. 1, 2. Ok. Je ramène là. Ok, c'est bon. Voilà. Là, on charge à fond. Là, donc, du coup, j'en ai combien sur moi en trop? J'en ai 61 en trop. Là. Hop. Ok, donc là, ça va commencer à arriver. Ça va charger un peu toutes les machines là-haut. Donc, c'est bon. On va s'occuper de la partie arrière en attendant. Donc, partie arrière. De ce côté-ci. Il va falloir une seule sortie en bas. Et une double sortie au-dessus. Hop. Ok. On va se mettre tout de suite notre groupeur à ce niveau-là. Bien. Hop, comme j'arrive ici. Alors, celui qui est plus à droite, il va au deuxième, et celui qui est plus à gauche va tout en haut. Ok, donc toi, tu viens ici, et toi, tu viendras ici. Ok. Donc, pas de croisement, comme ça, on est bien. Je vais juste rajouter ce qui manque pour pouvoir avoir la même. Et hop,
Ok. Là, j'avais ma montée de surplus d'ordinateur, mais là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Il va falloir que je monte les surplus qui sont ici. Hop, senti, surplus, aucun. Hop. Là. 1, 2, 1, 2. Ok, donc prioritairement, avec ça, une fois que le stockage ici sera plein, ça va envoyer le surplus ici. De là... Lui, il va tout laisser partir devant. Ça va arriver au groupeur qui viendra avec cette grille-là pour remplir ce stockage-là. Et quand ils vont être remplis, les trois, le surplus repartira là-bas, arrivera ici, reviendra ici. Mais si jamais ici, c'est full, 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 alors, dans ce cas-là, ça séparera là-bas et ça partira au broyeur. Mais au moins, j'aurai mes stockages ici qui seront pleins, ceux-là aussi, et mes lignes qui seront remplies. Hop. Toi, tu viens par là-bas. Du coup, alors attends. Tiens, avant même de relier le reste, je vais préparer les sorties. Là. Là. Et là. Ok, pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté, donc là. Une ici. Une par là. On va se mettre nos sorties en MK1. Parce qu'on n'a pas besoin de plus. Donc, sortie MK1. Sortie MK1. Alors je vais plutôt... Ça, celui-là, je vais enlever, je vais remettre. Je vais plutôt les mettre du sol. En fait, je préfère les glitcher. Enfin, les glitcher, les connecter du sol vers la machine. Que si vous linkez... Voilà, c'est le mot que je cherchais. Si vous linkez de la machine vers le sol, des fois, vous avez des bugs. Donc là, comme ça, c'est mieux. Hop. Et voilà, c'est mieux. Ok. Alors, il faut juste que je vois là maintenant où est-ce que je vais mettre. Où est-ce que je vais mettre mes groupeurs. Donc, on en positionne un. On cale ça à ce niveau-là. Bon, maintenant que j'ai cette ligne-là, j'ai l'intersection des deux. Ça part. Intersection des deux.
Tac, ça part comme ça. Parfait. Et là. Deux. Et trois. Impec. On relie les sorties. Deux. Deux. Hop. Ok, on a raccordé la moitié. C'est pareil de l'autre côté. Tout simplement. Alors l'autre côté, c'est peut-être un tout petit peu plus dur parce qu'ils sont un tout petit peu plus loin à connecter. Pour pouvoir repérer, je veux dire, ceci. Pour retrouver l'autre à côté, c'est peut-être un peu plus loin. Des fois, on perd. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Allez, on n'oublie pas de le supprimer. C'est pour ça que j'ai fait un MK5. Et d'un. Et de 2. Et de 3. Ok, c'est bon. Hop, là c'est bon. On se connaît. Impeccable. Ok, bon, on a préparé les sorties. On fait arriver 2 ressources sur 4. Il n'y a plus qu'à faire arriver des ordinateurs, des connecteurs haute vitesse. Donc on va, j'ai regardé à peu près comment c'était mis pour l'autre côté. Donc je les ai fait arriver comme ça ici. Donc ça va se retrouver à peu près. Il devrait montrer à peu près par là. Si j'ai la même chose, ça devrait montrer à peu près par là. Donc je devrais avoir à peu près un truc ici. Et un ici. À peu de choses près, on va voir là. Ça s'est remonté droit comme ça. Ok, d'accord. Donc c'était pas ici, c'était là. On était pas loin. On était pas loin. Et du coup, tu en montes en MK1 aussi. Ok. Toi ici, bah, tu vas devoir remonter aussi en MK1. Tac. Ok. Donc les ordinateurs, les connecteurs haute vitesse. Hein. Alors pourquoi j'en ai aucun ici? Oh, j'ai pas relié! J'ai pas relié les sorties, donc forcément ça bloque. Ah oui, bête! T'es bête! Ok, je connecte de l'autre côté bah, les autres sorties. Hein. Comment vous venez de faire? Alors par contre, je vole pas. Pourquoi? Ah bah parce que j'ai pas le bon truc. Tout simplement. Hop. Ok. Hop. L'autre sortie dans ce sens-là. Comme ça. Hop, ici comme ça, ici dans ce sens-là, et j'ai entendu que la musique s'était coupée, mais elle se relance. Voilà. Donc voir où ça donne, sans le poser directement. Donc là, je suis au milieu et je m'arrête pile sur le bord. Ok, donc là, si je suis au milieu et que je m'arrête pile sur le bord, je dois être comme ça. Un peu de choses près. Ok, faut juste que je me décale d'un petit cran alors. Hop. Ok, très bien.
Alors, se poser par terre sera plus facile. Deux. Trois. Deux, quatre. Hop. On pourrait mettre un autre titre maintenant. Bah ouais, ouais, qu'est-ce que tu proposes? Salut, alors ce petit zoop, ça te change d'une usine en moins de 2? Ah oui, oui, le zoop, il est pas mal. Comment tu vas, Luffy? Fais des ordis dans le désert? Mais les ordis, je vais bientôt avoir terminé, là. Oh, merci le Riguleux, bon anniversaire à nous, bon anniversaire, merci beaucoup, 4 mois d'abonnement, merci beaucoup, merci infiniment, grand merci à toi, merci beaucoup, merci, merci infiniment. À demain, je vais rebosser sur les alertes sonores de sub et de resub, je vais essayer de trouver des trucs sympas à mettre, faut que je change ça. Tu comptes faire quoi après les ordis? Franchement, je sais pas, je verrai bien. Non mais je sais, je vais changer le titre du stream. Faute de fou. Hop. Voilà, ça. Alors ça va très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est le genre de titre que je peux laisser pendant 6 ans, ça. Ouais, ça va bien, toujours à nettoyer mes 300 conteneurs de déchets nucléaires. Mais ouais, non mais t'es un fou, toi. 300 conteneurs de déchets nucléaires. Je te plains. Et tu es né toi avec quoi? T'as un gros jet d'eau, j'espère. Hein. Hop. Alors, les ordinateurs qui montent, c'est bien ici. Ok. Oui, j'avais pas mal d'ordinateurs en RAM là. Bah voilà, comme ça vous avez l'exemple de ce que je vous expliquais en dessous. Quand c'était plein, après ça tournait là-bas. Et là, vu que ça va en consommer, ça devrait aider mieux. Ok, très bien. Les déchets nucléaires, c'est la vie. Eh, mais en vrai, tout à l'heure, je pensais à un truc. Et je me disais qu'il y avait peut-être moyen de... Il y a peut-être moyen de rentabiliser les déchets nucléaires, enfin les barres de plutonium, sans passer par les centrales nucléaires. Parce que en fait, vous savez, quand on fait les barres d'uranium, on les envoie dans les centrales nucléaires nous sortent des déchets d'uranium, et avec, on les recycle et on en fait des barres de plutonium. Mais si les barres de plutonium, on les envoie dans des centrales, on ne peut pas utiliser les déchets. Les déchets, on ne peut rien en faire, et donc il va falloir les stocker, etc. Donc la technique, c'est d'envoyer des barres de plutonium au niveau du broyeur. Mais vu que on peut utiliser les barres de plutonium et les barres d'uranium pour les véhicules aussi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi toute une alimentation avec des camions, des tracteurs, etc., qui serait alimentée en barres de plutonium pour éviter d'avoir à les envoyer dans un broyeur. Et pour pouvoir éviter d'avoir utilisé le charbon pour alimenter les véhicules. Je me dis, pourquoi pas faire ça? En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Alors le machin que tu pouvais nettoyer tes déchets, donc Osef, comment ça tu pouvais nettoyer tes déchets? Ah, les supprimer sur moi? Il surplus au broyeur? Ouais, par exemple, ouais. Et t'es un génie avec tes 3 secondes par frame, tu sais. Non mais je me dis que ça peut être plus intelligent que de les envoyer directement dans un broyeur. Même si ça fait des points, c'est cool, etc. Noix d'or et tout le tintouin. Mais en vrai, si je peux utiliser, je préfère. J'aime pas trop jeter. Connecte-toi. Excusez-moi.
Hop. Déjà tout acheté, tu veux faire quoi de plus? Ah non, j'ai pas tout acheté. Là, il faut que je rachète les deux statues à 200, là. Pour les rajouter au niveau de mon stockage général. Et après, il me faut deux statues de noix d'or pour terminer la série de deux. Ce serait bien. Alors, il va falloir que je passe au-dessus et en dessous. Donc, au-dessus d'ici. Au-dessus d'ici. Putain, il n'y a plus de plaque de fer encore, mais... Allez, on va aller en chercher. So, je suis à la biomasse. Je suis qu'au pétrole. J'ai recommencé une partie. Ok. Hop. Allez, vas-y. Prenons les plaques de fer. Oh non! Mais non! Non! Non, 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 non! Non, le jeu a recrash, quoi. Le jeu a recrash. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. C'est pas possible.